Derrière ce visage sage, innocent et timide, se cache un talent à l'état pur. À environ 15 ans, Ezekiel est un jeune gardien de but qui force déjà l'admiration. Vas-y. Stop. Là, il y a un autre ballon. Laisse-toi tomber. Ne rentre pas. Voilà, super. Là. Super, on vient. Merci. Là. Gentil petit. Ah là, il est fort. C'est bon, admirable. Attaque plus ce ballon, d'accord? Ok. Allez, c'est parti. Hop. Là. Prends le ballon. Ok. Là, on prend le ballon. Admirable, stop. On va te dire rapidement. Il a ton pied ici au départ. Ton pied est derrière. C'est dangereux. D'accord? Là, il faut couper le ballon devant. Un gardien ne doit pas être surpris. C'est compris? Un gardien ne réagit pas, il agit. C'est compris? Je suis là. Lève-toi. Je suis là. Le ballon qui vient, moi je le coupe là. Devant. Donc mon corps doit être devant mes pieds. Le pied d'appui. Le corps, tout le corps, je l'envoie devant le pied d'appui. C'est compris? Allez, on repasse. À l'entraînement comme au coup des matchs, ce jeune surdoué des 7 mètres en 2 fait preuve d'énormes qualités exceptionnelles. Doté d'une détente extraordinaire, il associe calme et sérénité pour franchir à chaque fois des paliers. Chaque matin, 3 fois par semaine, il parcourt des kilomètres de Calavi à Cotonou pour rejoindre l'entraînement. Et c'est bien là que nous l'avons surpris pour vous. On peut regarder ça, mais allez ici. Super. Là. Super. Là. C'est pas mal, on rentre. Il y a un autre ballon. Joli. Super gardien. Wow. Ah, et je marque un but. Ah, super gardien. Là, c'est bon. Son entraîneur Esaïe, un ancien international béninois, en fait même sa priorité. Bon, là j'ai en face de moi un gardien d'avenir. Je parlais d'Ezekiel et puis allez, Stéphane aussi. Ezekiel est un très bon gardien, et puis, mais ce n'est pas pour aujourd'hui, hein. C'est pour demain. Quand je dis demain, ce n'est pas dans 20 ans, ce n'est pas dans 10 ans. C'est sûr que par la force du travail, on pourra l'avoir dans 3-4 ans. Et je parie que s'il continue avec cette manière de travailler, je parie que dans 3-4 ans, il sera incontournable au Bénin. Ah, je dis d'abord Bénin. Et après, sur le continent, c'est sûr, quand il sera incontournable au Bénin, c'est sûr qu'il va frapper sur le continent. Parce que déjà, incontournable au Bénin, il va frapper à la porte de l'équipe nationale, quelle que soit la catégorie de son âge. Et puis là, sur le continent, il sera tout de suite repéré. Entre conseil et rigueur à l'entraînement, Esaïe est persuadé que son poulain a de beaux jours devant lui s'il continue toujours sa progression. Il a de très bonnes détentes, ça c'est une qualité vraiment que j'apprécie chez lui. Très bonne détente. Et puis il est réceptif. Il est réceptif. C'est un gardien sur qui on va compter. Franchement, il a de très bonnes. La prise, ce n'est pas encore la meilleure. Mais ce n'est pas difficile, vu son âge, facilement on pourra corriger et puis il va atteindre le meilleur niveau qu'un gardien doit avoir sur sa prise de balle. Maintenant, en qualité de sortie, anticipation, c'est bien, c'est je dirais moyen, on va travailler pour que ça soit ce qui est le mieux. Chaque matin,
C'est avec Stéphane que le jeune Ezekiel effectue son ascension à l'entraînement. Ezekiel, ouais, il est jeune, il a de l'avenir. Il a les qualités. Il se donne à fond sur les matchs. Il parle. Ça marche. Maintenant. Efface la jambe. Efface la jambe quand tu tombes. Maintenant. C'est bon. Allez, on va changer. Aujourd'hui, nous avons un peu travaillé avec le coach. C'était pas trop difficile car j'ai fait les activités que je fais souvent et c'est que j'aime aussi, qui sont les détentes. Mais c'est que avant d'être un grenadier, on doit beaucoup travailler et aimer les séances d'entraînement et respecter ses dirigeants. Si on travaille beaucoup, c'est ainsi qu'on peut rattraper les Iker Casillas, Keylor Navas et autres. C'est qui ton idole préféré? Iker Casillas. Tu as envie de devenir comme lui? Oui, et plus que lui. Efface la jambe. Efface la jambe quand tu tombes. Maintenant. C'est bon. Allez, on va changer. On va changer. Là. Là. On va corriger ça rapidement. En attendant de le revoir dans quelques années, briller sur les écrans de télévision et faire mieux que son préféré Iker Casillas, le jeune Ezekiel peut continuer de s'envoler.